ça? Pareil qu'il parle avec les morts. Un soir de pleine lune, ça fout la trouille. J'ai pas peur des morts. Je veux me reposer, d'accord? Je suis un peu fatiguée. Tu peux pas aller te coucher. Ça va commencer. Mon amour. J'ai besoin de te sentir dans la salle. Pas ce soir. Je sais pas ce que j'ai. J'ai un mauvais pressentiment. Ça va? Comment tu te sens? Tu as besoin d'être seule pour te concentrer? De toute façon, j'allais me coucher. Et on a droit à quoi ce soir? Migraine? Nausée? S'il te plaît. T'inquiète pas. Il y a ton petit papa avec toi. Isabelle. 3 minutes en scène. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'accueillir Monsieur Frédéric Light. La poche. Dans votre poche, de l'autre côté. À l'intérieur, cigarette. Eh oui, je sais qu'il vous a dit qu'il allait arrêter pour ne pas finir comme votre pauvre papa. Mais il ne faut pas lui en vouloir, il n'en fume qu'une ou deux par jour, vous savez. Et il a ses pastilles à la menthe dans l'autre poche pour éviter de se faire prendre. Désolé, mon vieux. Un enfant? Quelqu'un se fait du souci pour un enfant? Marc? Martin? Oui, Martin, c'est mon fils. Il est à l'hôpital, n'est-ce pas? Je vois une fontaine. Oui, c'est ce qu'il voit de sa chambre. C'est incroyable. Chambre 126. Une infection pulmonaire, c'est ça. Mais tout va s'arranger. Vous pourrez bientôt le serrer dans vos bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai besoin de calme. Non mais ça va pas. Ça vous amuse? Excusez-moi, je m'en vais. Bellecour? Rose Bellecour. Professeur Kéredine? Oh, c'est incroyable. Ça fait combien de temps? 5, 6 ans? Ah, presque 6 ans. J'ai mon cabinet maintenant. Vos patients ont de la chance. La plus brillante étudiante de l'amphi. Et vous enseignez toujours à la fac? Non, je pars à Boston dans une semaine. J'ai obtenu une bourse pour mes recherches en hypnose ericksonienne. Ah, hypnose? Ouais, c'est passionnant. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Moi aussi, professeur. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à nouveau avant mon départ. Chérie, faut appeler la police. Ce monsieur t'embête. Mais pas du tout, maman. C'est mon ancien prof de TD à la fac. J'allais partir. J'espère qu'il n'y a rien entre toi et ce... Ce médecin? C'est le mot que tu cherchais. T'imagines la tête des voisins? Tu peux m'ouvrir la porte? Je perçois aussi ceux qui ont quitté leur enveloppe corporelle, mais qui se promènent toujours parmi nous. Ceux que l'on appelle plus précisément les esprits. Oui. Les âmes de vos défunts sont toujours là. Et ils ont encore des choses à vous dire. Mais je vais vous révéler un secret. Vous avez tous la capacité de rentrer en contact avec l'au-delà. Il suffit de basculer dans un autre état de conscience. Et ce soir, certains d'entre vous vont pouvoir faire ce voyage avec moi. Qui veut tenter l'expérience? Mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Nicole.
Nicole Balmain. Enchantée, Nicole. N'ayez pas peur, vous pouvez me faire confiance. J'ai pas peur. Très bien. Nicole, vous écoutez ma voix, vous n'écoutez que ma voix. 5, je vais compter à rebours et à mon claquement de doigts, nous allons partir ensemble pour un très beau voyage. 4, donnez-moi les mains, Nicole. Je suis là. 3, vous écoutez ma voix, vous n'écoutez que ma voix. 2, 1. Nicole. Je vois quelqu'un qui s'avance pour vous. Est-ce que vous le voyez ? Julien ? Julien, c'est toi ? Oui, Julien est là, je le vois aussi. Il me dit qu'il est content que vous ayez mis la photo de vous deux sur votre étagère. C'est la photo de votre voyage de noces à Venise, c'est ça ? Sourire. Vous les voyez sourire ? Oui, je le vois. Julien. Julien. Quelque chose à lui dire. Tu me manques. Non. Non, arrête. Arrête, j'ai rien fait. Tu me fais mal. Arrête. Laisse-moi, tu me fais mal. Ah, c'est mort. C'est jamais sur qui on peut tomber. Ce n'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on devient un saint. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que demain, les deux Villemont viennent dîner. Avec leur fils. Lequel ? Celui qui n'a pas de dents ou celui qui n'a pas de conversation ? Oh, Rose. Il y a un moment, il va bien falloir que tu décides. Tu n'es plus toute jeune, tout de même. Quoi qu'il en soit, c'est pas à toi de décider. Je suis une femme indépendante. Ah ! Une femme ! Mais non, ma chérie, pas encore. Et on le sait toutes les deux, n'est-ce pas ? De quoi tu parles ? Je parle du loup. On devient une vraie femme une fois qu'on a vu le loup. Mais alors tu rougis ! Même le petit chaperon rouge, il a vu le loup. Merci. Merci, monsieur Light. Votre maman sera toujours à vos côtés. Mes chers amis, notre soirée touche à sa fin. Vous avez été extraordinaire. Moi, je ne suis qu'un modeste passeur vers le monde de l'invisible. Et n'oubliez jamais que la mort n'est pas la fin, mais le début de l'aventure. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! L'homme ? La mort a été instantanée, comme s'il avait été pris par surprise. Ah bah c'est sûr, on s'attend rarement à prendre un couteau dans le dos quand on vient voir un spectacle, hein. Philippe Dubac. Il aurait été poignardé par cette jeune femme là-bas. Elle a l'air complètement sous le choc. À vous de nous dire si c'est du chiquet. Beata, je vous laisse interroger le personnel. Ouais. Merci, Blum. J'en prie. Monsieur Brunet ? Oui ? Je voudrais voir votre fils, s'il vous plaît. C'est pas possible. C'était pas une question. Non, il a fait un malaise, il est allé se reposer, il est très sensible. Vous savez qui va se reposer éternellement ? La victime. Écoutez, madame, épargnez-moi vos sarcasmes de sous-fifre qui fait du zèle. Je parlerai qu'au commissaire. Oh bah ça tombe bien, vous l'avez devant vous. Ah oui, ça existe en version fille maintenant. Alors évitez-moi de vous passer les menottes, je viens de refaire ma manicure. Il était là ! Je l'ai vu ! Votre mari ? Oui. Mais vous m'avez dit qu'il était décédé il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Mais il pouvait pas être là. Mais si, il était là. Il m'a fait peur. Et vous connaissiez la victime ? Non. Est-ce que vous le connaissiez, Philippe Dubac ? Non, je ne connaissais pas. On ne connaît pas tous nos spectateurs. Commissaire, on a trouvé ça dans le vestiaire.
dans la poche du manteau de la victime. Venez ce soir à la représentation régler nos affaires, signé Jean B. On est partis du mauvais pied tous les deux. Ah, c'était un ancien employé. Un employé, c'est-à-dire? Parce qu'apparemment personne ne le connaît ici, ou alors tout le monde ment. Non, c'est un détective privé. Je l'ai embauché pour rassurer mon fils. Il a un don incroyable, mais avec le succès, il enchaîne tellement, parfois il fatigue. Et il assistait souvent à des représentations, ce détective? Non, il venait juste déposer les dossiers. Ce soir, on devait s'expliquer parce qu'il... Il voulait me faire chanter, si vous voulez tout savoir. Vous faire chanter? Oui, il y a une semaine environ, mon fils l'a viré sans me prévenir et Dubac l'a très mal pris. Pourquoi il l'a viré, votre fils? Parce qu'il avait peur qu'on le soupçonne de truquer ses prestations. Ce qui apparemment est le cas. Non, c'est un filet de sécurité. On verra. En attendant, vous l'avez fait venir et s'est fait poignarder. Avoue que c'est ballot. J'ai pas tué Dubac, c'est tout ce que je peux vous dire. Excusez-moi. C'est vous que vous occupez de l'enquête? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. C'est ma belle-fille. Tu devrais rester avec Frédéric. Je lui donnais un somnifère, il dort. Est-ce qu'on pourrait savoir quand il sera enterré? Vous connaissiez la victime? Non, elle l'avait croisé de temps en temps quand il travaillait ici, rien de plus. On ne le connaissait pas tant que ça. Excuse-moi de ressentir les choses. C'est vrai que par ici, les sentiments ne sont pas très à la mode. Ne vous inquiétez pas, elle est un peu fatiguée en ce moment. Remonte auprès de ton mari, ça vaudra mieux. Remonte. Et alors, vous êtes qui, vous? Lorraine Martin, assistante personnelle de Monsieur Light. Ah. Si je peux vous aider pour quoi que ce soit. Vous savez, il était violent avec elle. Alors pour nous, ses amis, quand il est mort, ça a été un soulagement. Qui vient ici? Un invité? Des complices? Vous pensez qu'elle a cru que c'était lui? C'est possible. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un à qui on peut parler cash. Je me trompe? Non. Je sais que c'est truqué, ce bazar. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous trouvez vos pigeons. Mais je vous ai dit, c'est du hasard. Mmh. Au début du spectacle, Monsieur Light et moi, on regarde les spectateurs et lui, il est capable de sentir les gens qui sont plus sensibles à tout ça, quoi. Ah ouais. Il est très fort, vous savez. Ouais, bien sûr. Mmh. C'est ce qu'on va voir. En attendant, vous restez à la disposition de la police, hein, le temps de l'enquête. On va se revoir, alors. Ça m'en a tout l'air, ouais. C'était un interrogatoire ou une parade nuptiale, Beretta? Écoutez, moi je sais donner de ma personne, d'accord? Excusez-moi d'être consciencieux, Belcourt. Faut vraiment être dérangé pour venir à des soirées pareilles, hein. Alors, vos conclusions sur la jeune femme? D'après ce que j'ai recueilli, je pense que c'est possible que la séance ait réveillé un trauma avec hallucination pathogène. Possible, oui, mais ça sent jamais bon, les crimes qui ont l'air trop simples, trop parfaits. C'est légal quand on se réunit? Et l'autre gourou, là, qui va se coucher alors qu'un de ses disciples s'est pris un coup de couteau? Le mec tranquille. Un mardi, quoi. Je l'ai convoqué à la première heure demain matin. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec cette histoire d'hypnose. Oh, moi, je sais. On devrait appeler mon ancien chargé de TD. Votre quoi? Mon ancien prof à la fac. C'est le spécialiste mondial de l'hypnose. Non! Non, non! Ce qui s'est passé, c'est que le gars, il allait dévoiler votre arnaque, et donc vous l'avez zigouillé. Point barre. Voilà. C'est l'affaire la plus simple du siècle. J'étais sur scène, j'ai rien à voir avec cet horrible meurtre. Ah ouais? Et comment je peux vous croire, moi? Hein, vous arrêtez pas de mentir tout le temps. Rien que votre nom, c'est un mensonge. Light. Light. Franchement. C'est un nom de scène pour les spectacles. Ah oui, c'est vrai que c'est des spectacles. Mais moi, vous voyez, j'appelle ça plutôt profiter de la faiblesse des gens. Des fantômes qui parlent, non mais sérieux, quoi. Et après, vous rentrez chez vous en licorne aussi? Racontez-nous vos séances. Expliquez-nous votre technique. C'est pas une technique, c'est un don. Ouh. Je n'ai pas besoin de détective. Mon père a du mal à comprendre ça. Et en quoi consiste ce don? Je vois ce que vous ne voyez pas, mais qui existe. Comme les ondes de la radio. Elles sont invisibles. Pourtant, vous savez qu'elles existent, n'est-ce pas? Bah oui. Moi, je vais dire autrement. En gros, hein. Vous vous rencardez auprès de votre indic, là. Puis ensuite, vous balancez à vos pigeons que vous pouvez parler avec leur macabé. Et boum! Là, vous les chopez par l'émotion et vous faites votre petit business. Alors attention, moi, j'ai rien contre les spectacles de magie, hein. J'aime beaucoup. Sauf que là, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on les trompe sur la marchandise et qu'ils sortent de la salle les pieds devant!
D'où vous vient cette colère refoulée, inspecteur? Écoute, pour le baragouin psychotruc, c'est bon, hein. On a déjà notre spécialiste ici, merci. Pour faire simple, il existe en chacun de nous une voix différente, moins audible. Il faut s'entraîner à l'écouter. Stop, stop, arrête avec ton charabia, d'accord? Fous-toi à table. Je vois... Assieds-toi. Assis. Je vois la naissance de cette colère. Je vois la lune. Et voilà la lune maintenant. Votre lune. Ce jour où vous vous êtes retrouvé cul nu dans la cour de l'école, inspecteur. Oh, c'était désagréable. Hein? Humiliant même. Comment il s'appelait déjà, celui qui vous a fait ça? Christian? Christophe. Qui t'a dit ça? Hein, regarde-moi, putain! Regarde-moi. Ah, c'est pour ça que t'as disparu hier soir, hein? Le temps de te regarder sur nous, espèce de connard. Beretta. Je te préviens, tu fouilles encore une fois dans ma vie privée. Je te... Non, ça suffit, stop. Excusez-moi. Anne. Annie. C'est ça. Votre maman est là. Elle veut vous dire que tout va bien. Elle a de l'énergie. Elle est marrante. Elle dit qu'elle vous envoie des signes, mais que vous ne les voyez pas. La bague. Elle est triste que vous ne portiez pas la bague. Bien tenté. Mais ma mère est toujours de ce monde, Monsieur Light. Boum! La boule de cristal est en panne? J'ai eu mon ancien prof au téléphone. Il est d'accord pour examiner la jeune femme. Il passera en fin de journée. Cette vierge, c'est ça? Pardon? Non, parce que c'est dingue, ça, quand même. Ça va pas bien? On demande pas ça aux gens comme ça devant... Capricorne. Je sens un signe sensible, en tout cas. Ah. Au revoir, mademoiselle. Non, c'est juste un tocard dangereux. Je le sens. Bon, calmez-vous, Beretta. L'intuition, ça suffit pas. C'est parce qu'il vous a vu tout nu que ça vous met dans cet état. C'est quoi, cette histoire? C'est rien. Le mec s'est rencardé. Voilà, c'est tout. Il a dû retrouver ce gros blaireau de Christophe Duquesnois, lui filer un peu de pognon, là, pour qu'il parle, c'est tout. Christophe, c'était le bon prénom. Oui, parce que le mec s'est rencardé, je viens de vous le dire. Il n'est pas tombé dans le panneau, quand même. Je vous rappelle que le mec, il emploie des détectives, alors avoir des infos, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, comment trouver quelqu'un qui irait raconter cette vieille histoire, hein? Qui s'en souvient? Il pratique peut-être une forme de communication d'inconscient à inconscient. Jung en parle dans ses travaux. Mais arrêtez, là, vous voyez pas qu'il nous balade. C'est comme pour Bellecour, à mon avis, elle n'est même pas Capricorne. Même si elle est un peu vierge sur les bords, ça, à mon avis. Si, je suis Capricorne. Mais non. Votre mère. Il la voit morte alors qu'elle est en vie. Voilà, c'est une grosse brêle, c'est tout. Mais je croyais qu'elle était résistante et qu'elle avait été... Fusillée par les Allemands, oui. Enfin, j'allais pas lui donner raison, moi. Eh bien, on va attendre l'expertise de votre professeur, là. Carédine. Voilà. Bon, après, je veux dire... Le mec, s'il était capable de trouver ce connard de Duquesnois, eh ben, avoir des infos sur votre mère, c'était pas compliqué. Hein. Ouais, peut-être, peut-être, Beretta, c'est... Mais moi, mon sixième sens me dit que le père, il est pas net. Faut continuer à fouiller de ce côté-là. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai pas le droit à l'intuition. Mais nous, on doit suivre votre sixième sens. L'avantage d'être chef, inspecteur Beretta. Je suis désolé pour tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est juste En plus, je vous juge pas, hein, vous savez, moi... J'ai beau être un tombeur, et bah, je préfère de loin les filles comme vous. Hein. Plutôt que celles qui couchent avec n'importe qui, n'importe quand. Là, mais bon, ça va. C'est pas aux hommes de décider si les choix d'une femme sont les bons ou les mauvais. Oui, non. Bref, tout ça pour dire que c'est pas grave. Voilà. Puis vous êtes encore jeune, vous êtes quoi? 24? 30. Ouais. Bah, c'est pas grave non plus. Voilà. Y a rien de honteux à toujours... Bon, c'est bon, oui. On a compris. De toute façon, ce sera plus le cas d'ici une semaine. Oula, pourquoi? Parce que vous avez des petits projets, là? Hein? Beretta? Ouais? C'est vrai que tu te faisais mettre à poil par tes petits camarades? De ton manteau cintré, ton cœur veut s'échapper. De tes petits yeux coquets, ton âme est le reflet. Ah, continuez. Vous m'intéressez.
Ah, c'est vrai, ça vous intéresse. Voilà. Vous parliez aux morts, là. Oui, oui, c'est vrai. J'aime leur parler, j'aime leur laisser entrevoir mes failles, mes faiblesses. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils me comprennent, notamment les jours où mon âme est plus lourde. Mais ils vous répondent. Enfin, je veux dire, ils vous parlent. Ah, je peux pas dire qu'ils me répondent, non. Mais il y a un échange, il y a une complicité, il y a quelque chose de mieux. Et ils vous disent quoi? Ah, d'accord, c'est le mort qui vous intéresse. C'est pour votre enquête, en fait. Oui. Bien sûr, pardon. Excusez-moi d'avoir cru un instant que vous pouvez vous intéresser à moi. Blum, j'ai pas le temps pour ça, là, je suis venu chercher les conclusions de l'autopsie. Mais vous avez jamais le temps, d'accord? Vous m'écoutez jamais, vous savez rien de moi, vous êtes toujours sur vos enquêtes, sur vos meurtres. Y a que ça qui vous excite dans la vie? Mais bien sûr que oui, je vous écoute, Blum. Surtout quand vous me racontez comment les victimes ont été tuées. Ah, vous m'écoutez. Comment s'appelle mon chat? Vous avez un chat? Voilà, combien de fois je vous ai parlé de Clochette. Prise la main dans le sac, de la méchanceté, de l'égoïsme, commissaire. Bon, Blum, vos conclusions? Eh ben, j'en conclus que des corps en décomposition s'intéressent beaucoup plus à moi que vous. Qui êtes pourtant censée être bien vivante. Et je dis bien censée être vivante. Car je commence à douter que vous soyez plutôt un bloc de granit. Dénué de chaleur humaine. Commissaire, le prof de Rose est là. Max. Ouais. Vous voyez mon chat? Clochette? Voilà. On a vraiment de la chance qu'il ait accepté. En plus, il part dans une semaine à Boston. Une semaine? Bah, c'est lui, alors! Eh bah, c'est bien, Bellecourt. Le printemps arrive, hein. Les bourgeons vont éclore. Beretta, vous avez des confidences à nous faire? Non. Il me demande si le professeur peut aussi l'ausculter pour ses traumatismes d'enfance, vous savez. Il fait des cauchemars où il est cul nu au commissariat devant tout le monde. Mais c'est pas vrai. Je crois qu'on a un problème, le protocole de sortie d'hypnose n'a pas été respecté. Ça veut dire qu'elle est toujours en état d'hypnose, là? Donc, quand le médium l'a renvoyée à sa place, elle était toujours sous ses ordres. Je le savais. C'est Light qui lui a fait commettre le crime. Mais on peut pousser quelqu'un à commettre un crime malgré lui? Alors, le principe est simple. Le patient est plongé dans un état entre sommeil et veille par une induction correctement ciblée. Ses repères spatio-temporels peuvent être modifiés. Il peut même, parfois, avoir des hallucinations, voire des analgésies. C'est-à-dire qu'il ne sent plus la douleur. Et une fois la personne hypnotisée, on peut lui faire voir ce qu'on veut? À peu près. Je peux vous faire une démonstration, si vous voulez? Ah bah oui, oui. Il y a un volontaire? Ah bah vous êtes sacrément courageux, les gars, hein? Blum. Ah! Ah d'accord, donc je vous intéresse tout à coup, d'accord. Écoutez, je veux bien le faire. Mais pas pour vous. Parce que ça m'intéresse. Je suis un homme de science. Allez-y, je suis prêt. Très bien. À partir de maintenant, vous écoutez ma voix et rien que ma voix. Fermez les yeux. Prenez une grande et profonde respiration. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon claquement de doigts, vous vous endormirez profondément. 1, 2, 3. Vous dormez maintenant, vous dormez. Vous ouvrez les yeux. Waouh, impressionnant, hein? Hein? Personne veut jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Viens jouer avec moi. S'il te plaît, viens à la maison, on va jouer avec les cafards dans le garage. Mais, enfin, ça va pas la tête, vous êtes pas bien, là? Je l'ai replongé dans l'année de ses 5 ans. Allez, on va leur arracher les pattes de devant, on va les mettre dans ma boîte à crottes de nez. Tu manges tes crottes de nez? Tu manges tes crottes de nez? Non, mais je fais tout de même pas. Hein? Non? Enfin, pris depuis longtemps? Attendez, là, c'est vrai qu'on peut lui faire faire ce qu'on veut. Oui, il répond à la suggestion. La récréation est terminée. La maîtresse est là. Moi, j'adore la maîtresse. Pour moi, c'est comme un nuage en sucre. Blum, lâchez-moi immédiatement. Ah non, non, il veut pas comprendre, c'est un enfant, commissaire. Non, mais enfant ou pas, il a sa tête dans ma poitrine. Blum, Blum, allez. Blum, regardez. Oh, il y a ton copain Max, là-bas. Il a été méchant avec la maîtresse, il est triste, la maîtresse. Non, ça va, on a compris, là. Non,
T'arrêtes, hein. Ça va, on a compris, là. T'arrêtes, hein. Stop, stop. Tu laisses tranquille. Tu arrêtes. Aïe. Aïe. Arrête, hein. Faut pas faire ça. Aïe, d'accord. Tu fais pas ça. T'arrêtes. Ah, mais ça fait mal. T'arrêtes. T'arrêtes. Père Etard, vous allez pas frapper un enfant. Bon. Bah, c'est bien beau, tout ça. Mais est-ce que ça fait avancer notre affaire? Je sais pas. C'est pas mon domaine. Je voulais juste vous démontrer qu'à partir d'une action anodine, simple, on peut pousser quelqu'un à devenir dangereux. Ouais, donc c'est tout à fait possible que Light ait poussé Nicole à tuer pour lui. Oui, c'est possible. Voilà. C'est qui le patron? Dernière nouvelle, c'est toujours moi, Beretta. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Hans. Je crois que ça va nous aider à y voir plus clair. Avec plaisir, Rose. Si jamais... Oui. Si ça vous dit, un soir, avant mon départ, on pourrait aller boire un verre. Maintenant que j'ai le droit de vous inviter, inspecteur Belcourt. Je suis pas inspecteur. Mais vous n'êtes plus mon élève. Non, ça c'est vrai. Alors avec plaisir, pour un verre. Ce soir? Oui, oui, ce soir. Ce soir, c'est parfait. Très bien. Au revoir. Eh ben alors, on serait pas un peu amoureuse, Belcourt? N'importe quoi, hein. Mmh. Enfin, peut-être un peu quand j'étais à la fac. C'est la seule personne pour qui j'ai ressenti ça un jour, alors je me dis que c'est sûrement l'occasion. Eh oui, l'occasion de... Oui, l'occasion de... Mmh. Vous voulez des conseils pour... Non, ça ira, merci. Mmh. Hé, je suis pas une noix blanche pour autant, hein. Je peux vous demander comment vous comptez vous y prendre? Bah, en lui demandant, tout simplement. Attendez, vous allez lui demander comme ça, direct, de coucher avec vous? Bah si, pourquoi pas. Puisque c'est ce que je veux. On est en 72, Beretta. Les femmes sont des hommes comme les autres. Oh là là, c'est encore cette histoire de féminisme, là. Eh ben moi, je vous dis que les hommes, c'est des chasseurs. Voilà. Eh ouais, ouais. On a besoin de conquérir, de débusquer, de cueillir le fruit, et pas de ramasser à moitié pourri par terre. Mais vous vivez dans quel siècle? Mais c'est déprimant. Vous prenez le thé en papotant. C'est pas comme si on avait un crime à résoudre. Allez hop, à mon bureau. Bon, il y a encore quelqu'un qu'on n'a pas interrogé. C'est la mère du médium. Vous voulez dire sa femme? Oui, c'est ce que j'ai dit. Bah non, vous avez dit sa mère. Bon, on n'est pas là pour décortiquer ce que je dis, hein? Non, mais parce que le médium qui vous a parlé de votre mère, j'imagine que ça a dû vous perturber, alors je me dis que... Commencez pas, Belcourt. Hein? En tout cas, si vous avez besoin, je suis là. Bon, on avance. Au revoir. Merci, au revoir. Commissaire, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je me renseigne sur l'hypnose. Pour l'affaire. Vous auriez pas un bouquin à me prêter? Ah si, si, bien sûr. Bah, attendez. Alors, c'est là que vous recevez vos malades? On dit des patients. Ils ont rien de mieux à faire que de se regarder le nombril pendant une heure? 45 minutes. Et ben, parfois, c'est bien utile de déposer ses bagages pour continuer la route plus léger. Je vois. Enfin, moi, faudrait me payer cher pour aller parler à un psy. Hein. Ouais, je comprends. Bah alors, ce livre? Ah oui, oui, je cherche. Et c'est quel genre d'histoire qui vous racontent vos patients? Très souvent des choses qui remontent à l'enfance. C'est là que tout se joue. Bah, j'ai pas beaucoup de souvenirs dans mon enfance, moi. Ah bon? Bah, j'ai été confiée à ma grand-mère quand j'avais 8 ans. Comme vous savez, ma mère était résistante, elle pouvait pas s'occuper de moi. Et vous en avez souffert? Il y en avait qui souffraient beaucoup plus que moi. Ma mère, elle sauvait des enfants juifs. Elle faisait partie d'une fausse association chrétienne qui faisait passer les enfants en zone libre. Grandir loin de sa mère peut être une souffrance aussi. Il n'y a pas forcément d'hierarchie de la souffrance. Vous le trouvez, ce bouquin, ou bien? Oui. Ça vous ennuie si je m'étends un petit peu, juste pour m'étirer les jambes, là, je... Merci.
C'est ma grand-mère qui est arrivée un jour complètement en larmes. Et qui m'a dit que c'est parce qu'elle avait entendu une chanson triste à la radio. Vous savez, les roses blanches. C'est aujourd'hui dimanche. Toi, ma jolie maman. Voici des roses blanches. Toi qui les aimais tant. J'ai compris. Elle avait perdu sa fille et moi, ma mère. Elle est morte en héroïne et depuis, vous... vous essayez d'être à la hauteur, c'est ça? Rose! Qu'est-ce que tu fais? Ça fait une heure que les deux Villemont sont là! Oh, pardon, commissaire, je ne savais pas que vous étiez une patiente de ma fille. Ah, pas du tout. J'avais besoin de... d'un livre pour une enquête en cours. À demain, Bellecour. Bon, tu te dépêches. Le fils de Villemont s'est déjà enfilé un bol entier d'olives fourrées. Je ne dîne pas là et je ne dors pas là non plus. Mais... Depuis le temps que j'attends ce moment. Et moi donc? Qu'est-ce que je vous sers, les amoureux? Ils ont un cocktail au gingembre fabuleux. C'est aphrodisiaque, hein. Je vais boire quelque chose sans alcool. Je me lève tôt demain. Bah, c'est dommage. Mais on a quand même eu le temps de boire un verre, hein. Bah, je vais en prendre un quand même. Tout de suite. Bien pressé, Bob, hein, s'il te plaît. Bien tassé, tu veux dire, ma petite loupiote? Ok, on boit tranquillement. Un verre. Non. Deux verres. Deux, ça suffit. Ça fera quoi? Une demi-heure? C'est bien, une demi-heure. Merci. Et voilà. Vous avez bien changé depuis la fac. Vous êtes rayonnante. J'ai beaucoup aimé cette période. Bon, c'est vrai que j'étais le seul étudiant noir de l'amphi en médecine. Mais après ce que j'avais traversé dans mon enfance, c'était rien du tout. C'est marrant, ça me fait des trucs dans le ventre. Ça doit être le cocktail. Ça marche bien, ça. Et ma mère, elle a dû me placer quand j'avais même pas un an. Ouais. Bon, j'en reprendrai. Bob, tu m'en remets un? Bien sûr. Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Toujours pas, merci. Et voilà. Merci. J'ai été ballotté de foyer en foyer. Mais là où j'ai été le plus heureux, c'est au foyer des lilas. C'est marrant, c'est ma fleur préférée, lilas. Là, c'est bon. Je pense qu'il va me proposer d'aller chez lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as le droit d'accéder à tes désirs? C'est à toi de proposer. Tu peux le faire. Puisque c'est à ce moment que j'ai appris que ma mère s'est suicidée. J'ai envie de cocher avec vous. Vous êtes trop bureau, Rose. Là, je vais vous raccompagner. Une glande pour sécréter une huile qu'il applique sur ses plumes pour impressionner la femelle. Oui, bah nous aussi on a ça. Pendant l'accouplement, le lion mord le cou de la femelle pour la rendre plus docile, plus douce. Thank you.
nous interdite. Vous savez pas lire, madame? Ça porte bonheur. Bonne journée, monsieur l'agent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commissaire? Nous avons la preuve que vous n'aviez pas sorti la jeune femme de l'état d'hypnose. Ce serait très étonnant. Est-ce que vous en avez profité pour manipuler cette spectatrice, monsieur Light? Frédéric, s'il vous plaît. Vous m'expliquez, Frédéric? Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Tout est allé si vite. J'ai eu peur pour elle. J'ai tenté de la calmer. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous savez, je ne reste qu'un être humain. Détendez-vous, Annie. Vous êtes tendue. Et maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes vraiment là ce matin, toute seule. La méthode directe, ça marche pas, vous aviez raison. Oh, j'adore cette phrase. T'as entendu, Bernard? Redites-le, là, quand vous dites que j'ai raison, là. Redites-le. Bon, ça va. Donc là, c'est le moment où vous venez me supplier de partager avec vous mon expertise en dialogue drago-sensuel, c'est ça? Ça n'existe pas, drago-sensuel. Parfait exemple de la première règle. Ne soyez jamais dans le reproche et la contradiction. Détendez-vous, baissez les armes. Faites confiance à votre pouvoir fémino-sensuel. Fémino-sensuel non plus, ça... Allez-y, Max. Super. Venez avec moi. Je vais faire de vous une femme fatale, vous allez voir. Enfin, une femme, déjà, ça sera pas mal. Allez. Alors... Mais... Comment ça, le langage corporel est plus important que le langage tout court? Pourquoi vous chuchotez? On est sale, hein? Ah non, pas complètement. Ah! Vous venez de lever le sourcil, là. Langage corporel, vous n'êtes pas sereine. Alors moi, je pose ma main sur votre épaule et ça vous apaise. C'est ça, la séduction, Belcour. C'est un alignement des énergies, de sous-textes et de tensions. Et ce qu'on se dit en vrai, en fait, on s'en fout. On essaye? Ouais. Allez. Ce soir, je vais manger du riz au lait. Du riz au lait? Ouais. Avec du coulis de caramel? Ouais. Regardez ma bouche. Voilà. Du riz au lait. Du caramel. Et... quelques noisettes écrasées. Alors ça, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que moi aussi, ce soir, je comptais me faire un riz au lait. C'est mon dessert préféré. C'est-à-dire, ça ressemble quand même à une belle histoire d'amour. C'est croquant, c'est surprenant, et en même temps, c'est doux, c'est voluptueux. Vous savez si Gréco est arrivé? Non. Je m'en fous. C'est bien, hein? Cela dit, si vous voulez qu'on s'échange des recettes, c'est avec plaisir. Ce matin, j'ai vu un oiseau, et j'ai senti que ça pouvait être elle. Je sais, vous devez me prendre pour une folle. Il m'en faut plus que ça. Qu'est-ce qui vous a fait penser que cet oiseau pouvait être votre mère? Il a déféqué sur un agent de la ville. Elle vient d'arriver. Elle dit que c'était bien elle. Qu'il faut chier sur ceux qui font chier. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Ça lui ressemble, oui. C'est un sacré numéro, votre mère. Je l'aime bien. Elle est contente de pouvoir enfin vous parler, Annie. Elle regrette que vous ne pensiez pas plus souvent à elle. Elle dit qu'elle a pensé à vous, au moment de passer de l'autre côté. Et maintenant, elle me dit « Vive la gastro !» Étrange. J'ai l'impression qu'elle emploie un langage codé. Non, elle est morte fusillée à cause d'un poulet pas frais. Il devait faire s'évader des enfants juifs dans un car, le chauffeur est tombé malade, elle l'a remplacé au pied levé, et elle s'est fait arrêter ce jour-là. Donc oui, elle est morte à cause d'un poulet pas frais.
Elle est très drôle. Et très belle aussi. Je la vois à peu près au même âge que vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle est partie. Ça leur demande beaucoup d'énergie de descendre vers nous comme ça. Ne t'inquiète pas. Elle reviendra sûrement bientôt. On peut se tutoyer maintenant. Tu viens quand tu veux, Annie. Je m'amuse bien avec vous deux. Qu'est-ce que vous faites là, commissaire? Eh ben, c'était ici le rendez-vous. Vous êtes en retard? Bah non, justement, on avait dit... Bon, Melcourt, vous allez pas me faire perdre encore plus mon temps, hein? Mais vous l'avez interrogé? Bah bien sûr, évidemment. Et y a absolument rien de suspect. C'était très chaotique ce soir-là. Il a fait ce qu'il a pu. Oula! Ça en fait du monde. Vous voulez entrer dans mon bureau? Oh, avec plaisir, hein? Non, merci, ça ira. On a eu toutes les réponses qu'il nous fallait. Ah bon? Donc il vous avouait qu'il a manipulé Nicole Balmain pour qu'elle le débarrasse de Dubac? Faudrait savoir, monsieur Beretta. Un jour, je suis un charlatan et le lendemain, j'ai un don si puissant que je peux pousser quelqu'un à tuer pour moi. Vous êtes étonnant. Je sais que c'est vous. Je sais pas comment, mais je le sens. L'intuition, c'est mon domaine. Le vôtre, c'est censé être l'épreuve. Oh, toi. Je t'assure que t'as pas envie de connaître mon domaine d'expertise. Bon, Beretta, t'entends? Vous allez pas recommencer là. Hein? Bon, on verra ça, inspecteur. Sur ce, je vous laisse. J'ai une journée chargée. Je reste à votre disposition. À bientôt, Annie. Pardon. Annie. Belcourt, allez me trouver la femme du médium pour l'interroger. Beretta, j'ai deux mots à vous dire. Hein? Vous me faites quoi, là? Vous l'avez pris en grippe depuis le début, pour des raisons personnelles. Alors vous allez me mettre votre petit ego tout chiffonné dans la poche de votre blouson et vous vous remettez au travail, avec rigueur. C'est vous qui parlez de rigueur, là? Vous êtes en train de vous faire bouffer le cerveau par ce gourou. Même Belcourt le dit. Ouais. Vous m'en parlez encore une seule fois sur ce ton et je vous colle une droite dans le pif. On verra si vous avez toujours du nez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes inspectrice? Non. Je suis psychologue dans la police. Pourquoi j'aurais besoin d'un psychologue? Je veux juste vous poser quelques questions. J'ai rien à voir avec tout ça. Vous connaissiez Philippe Dubac? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais je dis ce que je veux. Je n'ai pas besoin de tes bénédictions. Très bien, Isabelle. Comme nous en avons convenu, vous viendrez faire votre déposition au commissariat. Mais elle n'a rien à voir avec cette histoire. C'est la procédure, monsieur Light. J'avais jamais remarqué votre bague. Elle est nouvelle? Bon, ça, c'est un vieux machin. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre chez cette femme? On dirait une jeune lionne qui en a marre de se faire morte par tous les mâles autour d'elle. Hein? C'est votre diagnostic, Belcourt? Bah, au niveau de l'enquête, j'en fais quoi, moi? Je sais pas. Mais j'ai envie d'essayer quelque chose. Ah bah allez-y, je vous en prie. Au début, quand j'ai rencontré Frédéric, on s'était promis que... on aurait notre vie à nous, notre maison à nous. Mais il n'est pas capable de s'éloigner de son père. Jean ne supporte pas l'influence que j'ai sur son fils. Et parfois, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Alors quand ils ont embauché un détective... Vous parlez de Philippe Dubac? Je ne sais pas ce qui s'est passé.
c'était un coup de foudre. Philippe, c'était un grand romantique. Et il disait, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour qu'il y a entre nous deux? Et oui, avec lui, ben, j'ai respiré, j'ai ri, j'étais moi-même, quoi. Et quand il l'a appris, votre mari a très mal réagi, n'est-ce pas? Comment vous l'avez remarqué? Je m'intéresse aux gens. Je les écoute, je les regarde. Ah, c'est mon métier. D'ailleurs, si vous avez besoin de parler, dans un autre cadre, je suis là. Ben, c'est moi qui lui ai révélé notre liaison. Philippe et moi, on avait prévu de quitter tout ça et partir tous les deux. Alors en soi, je fais mes valises, je raconte tout à Frédéric, et là, je sais pas ce qui s'est passé, il est devenu complètement fou. Moi, je l'avais jamais eu comme ça. Et vous êtes quand même partie avec votre amant? Oui, je l'ai rejoint. Mais ça n'a pas pu se faire. Pourquoi? Tous les hommes sont des lâches, vous ne croyez pas. Vous saviez que Philippe voyait d'autres femmes? Beaucoup d'autres. Comment ça? On a retrouvé un agenda avec tous ces rendez-vous. Un nom différent par soir. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'à la place des chocolats, c'était des femmes. C'est faux. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'en peux plus. On s'aimait, vous comprenez? Arrêtez de dire n'importe quoi! J'ai plus rien à dire. On est loin du petit agneau qu'on imaginait. Faut dire que vous l'avez poussé à bout. Ouais. Je voulais la provoquer un peu. Voir son vrai visage. Elle est instable. On dirait un trouble de la personnalité qui s'appelle borderline. C'est un nouveau concept qui vient des États-Unis. Ce sont des gens à l'impulsivité exacerbée qui peuvent devenir violents d'un seul coup. Quand ils se sentent abusés ou trompés, ils sont capables de tout. Voire de tuer. Donc on connaît enfin le vrai mobile de Frédéric. Se débarrasser de la main de sa femme. Vous oubliez que la victime faisait chanter le père et qu'Isabelle a très bien pu le tuer elle-même. Hein. Rose disait qu'elle était border je sais pas quoi. Là. Borderline. Voilà. Faut éliminer aucune piste, Beretta. Donc ce soir, on ouvre bien grand ses petits yeux. Concentration, observation et professionnalisme. Vous voulez que je vous raconte la dernière fois que j'ai mis mon nœud papillon? C'était sur une affaire tout à fait étonnante. Mais avec grand plaisir, patron, mais faut y aller, là. Oui. Eh, regardez. Oh, mais c'est... On dit merci qui? Vous êtes au complet? Veuillez me suivre. C'est plusieurs fois que je reviens et... À chaque fois, voici votre table. Merci. Je vous en prie. Monsieur ? Merci. Monsieur ? Je vais aux toilettes. Excusez-moi. Bah, normalement, on dit qu'on va se repoudrer le nez. Les femmes aussi ont une vessie à vider de temps à autre, Beretta. Désolée de vous la prendre. Mais c'est pas possible. C'est quand même pas compliqué de repasser une chemise. Annie. Ça me fait plaisir que tu sois venue. Moi aussi. J'ai hâte, vraiment. Je voulais vous prévenir... Te. Oui. Je voulais te prévenir. Si par hasard ma mère venait ce soir, est-ce que vous pourriez... Enfin, tu pourrais ne pas faire appel à moi? Il y a toute mon équipe dans la salle, je voudrais pas qu'il... Enfin... Tu peux compter sur moi. Écoutez, faites-moi confiance. C'est mieux pour tout le monde. Et c'est qui, lui? J'ai l'impression de le connaître. Jean Brunet, le père du médium. Brunet.
Ah, mais oui. J'ai eu affaire à lui il y a des années. Je dirais bien 30 ans au moins. C'est parti, c'était le bon vieux temps, ça, tout ça. J'étais un jeune enquêteur, fougueux, comme vous, Max. Ouais. Presque autant de cheveux. Bah, à l'époque, les affaires étaient plus simples. Il y avait les gentils et les méchants. Ah, c'était le bon vieux temps. Et vous arriveriez à vous souvenir de l'affaire ? Oh, peut-être plus de cheveux, mais j'ai encore des neurones. C'était une simple affaire de vol. Mais je me souviens que ce filou avait essayé de me soudoyer pour qu'on conclue que c'était sa domestique, le coupable, alors qu'il n'y avait aucune preuve. Un sale type qui faisait des trafics de faux tableaux qu'il faisait peindre par sa femme. On n'a jamais réussi à le coincer, malheureusement. On n'a pas assez fouillé du côté du père. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Frédéric Light. Allez vous asseoir. Un dernier volontaire ? Monsieur, peut-être. Non, 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 merci beaucoup. Ah si, Beretta. Non, mais j'ai pas envie. Mais Beretta. Allez. Beretta, Beretta. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Max. Détendez-vous, Max. Je vous ai entendu. Bah, j'avoue que j'ai eu dans la presse ce qui est arrivé à la dernière personne que vous avez hypnotisée. C'est vrai que ça donne pas très envie de se détendre, quoi. Hein ? Max, je vais compter à rebours et à mon claquement. Nous allons partir ensemble pour un très beau voyage. 5, vous écoutez ma voix, vous n'écoutez que ma voix. 4, tout va bien, Max, on est au bord de la mer, je vois un campement. Comment vous savez ça ? Vous écoutez ma voix, vous n'écoutez que ma voix. 3, vous allez rejoindre le campement. 2, 1. Le vent se lève. Le sable sous vos pieds, le bruit des vagues. Qui est ce garçon à quelques mètres de nous ? Oh putain, Nino ! Qui est Nino ? C'est mon cousin. Putain, Nino, qu'est-ce que tu fous là ? Il dit que vous êtes comme cul et chemise. Ah ouais. D'ailleurs, en ce moment, Max, vous portez une chemise de plage. De quelle couleur ? Verte, avec les rayures. Celle qui fait tomber les nanas comme des mouches. Regardez. Hé, Nino ! Ça réchauffe un bon feu. Ah ouais, carrément. Votre cousin est encore là, en face de vous. Vous avez des choses à lui dire, non ? C'est le moment. Tu sais, Nino, il y a un truc que j'ai pas eu le temps de te dire. T'es un mec super, hein. Mais parfois tu me fais bien chier. En fait, je suis jaloux. Voilà, je suis jaloux parce que c'est toujours dans ta tente qu'elles vont les nanas. Et c'est jamais dans la mienne. Et pourtant, je fais un effort, tu vois. J'ai toujours ma chemise verte. Je fais de la muscu tous les jours. Mais ça marche pas. J'essaye, ça marche pas. Et je reste le cousin du mec canon de la plage. Voilà. Ah si. Si. En fait, ça a marché une fois. Ouais, il y a une nana qui a accepté de dormir avec moi, dans ma tente. Oh, j'étais content ce jour-là. Elle vient dans ma tente et tout, et... Et au final, elle a juste dormi. Et moi, je me suis retrouvé avec un putain de braquemar. Max, allez vous asseoir. Ça va, quoi ? Mes chers amis, notre soirée touche à sa fin. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai dit quoi ? Je ne suis qu'un modeste passeur. Mais c'est pas vraiment ce que vous avez dit. Et n'oubliez jamais. C'est plutôt ce que vous avez fait. Que la mort n'est pas la fin, mais le début de l'aventure. J'étais bien garé pourtant. Oh mince alors. Ah bah c'est pas de bol hein. Et puis dans le quartier, vous loupez pas hein ? Hein ? Ouais. Je peux vous raccompagner si vous voulez. C'est gentil, mais j'habite à l'autre bout de la ville. Peut-être que je pourrais... Enfin, si ça vous dérange pas... dormir chez vous. Pas de soucis. C'est vraiment exceptionnel. Je vois le gars, il est là, il s'approche.
Je peux vous poser une question, Bob? Ouais, bien sûr, Annie, tout ce que tu veux. Vous croyez qu'on peut parler avec les morts? Bah, moi, tu sais, je reste ouvert à tout. Si tu veux, je peux te présenter Yolanda, c'est une chamane hyper puissante. Mais je trouve ça bien que tu t'intéresses à tout ça, tu vas voir, ça va te réaligner. Si tu veux, tu peux participer à notre séance de tarot. C'est un bon début. Oh, en flûte! J'avais complètement oublié que la chambre d'amis était en travaux. Se déshabiller, oui, c'est mieux pour dormir. Oui, voilà. Vous voulez de l'aide? Ça va? C'est pas grave, je l'aimais pas beaucoup ce vase de toute façon. Oh, pardon! C'est pas grave. Je l'aimais pas beaucoup cet œil. Vous êtes... Je pense qu'on peut se tutoyer à ce stade. Ce serait peut-être mieux avec un peu moins de lumière, non? Aïe! On aurait peut-être dû balayer le verre brisé. Vous auriez fait une ravissante infirmière. Vous aviez raison, maman, c'est le bel cours. Je suis partie, c'est la seule solution, il ne changera jamais. Isabelle? C'est mon beau-père qui m'a donné l'argent. Dites à Frédéric que je vais bien. Non, mais dites-moi où vous... Et si c'était elle la coupable? Et je viens d'aller s'effiler? Moi, je suis désolée, Hans, mais je dois aller prévenir la commissaire Gréco. Annie, Isabelle a disparu. Comment ça? Je l'ai vue avant le spectacle. Là, elle n'est plus à la maison. Je l'ai cherchée partout. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vous êtes Frédéric Light? Le médium? Waouh, incroyable. Désolé, Annie, moi qui te prenais pour une débutante. Frédéric Light... T'en fais pas. Je vais t'aider, on va la retrouver. Encore heureux que tu vas l'aider. Avant, j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est toi qui as tué Philippe Dubac parce qu'il était l'amant d'Isabelle? Tu veux que je te dise la vérité? De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je le détestais. Je le haïssais. Mais jamais. Jamais je l'aurais envoyé là-bas. Dans l'autre monde, je sais que la mort n'est pas une punition. Au contraire, c'est un soulagement. Ah, ça, c'est vrai. Moi, j'avais tendance à faire de l'asthme. Et ben là, ça va beaucoup mieux. Elle a toujours été un peu longue à la détente. Elle a marché à 14 mois. Tout va bien. Annie, regarde-moi. Tout va bien. Bob a dû trop charger ma tisane ce soir, je... Tu vas m'aider pour Isabelle? Oui. Est-ce que la journée s'est passée normalement? Elle était comment avant le spectacle? Comme d'habitude. J'ai même pas eu le temps de lui dire que j'avais parlé à mon père. Je lui ai dit que j'allais arrêter les séances, pour qu'on puisse enfin avoir notre vie à nous. Je sais pas où elle peut être. Je t'assure que je vais tout faire pour la retrouver. Merci, Annie. C'est une bonne petite, hein.
Toc, toc, toc. Pardon de vous déranger, monsieur Light. J'ai pas l'habitude de faire ça. Est-ce que vous pourriez nous signer quelques autographes, s'il vous plaît? Ils sont comme des fous là-bas. On dirait des ados à un concert des Beatles. C'est vraiment un bon gars. Et je dis pas ça juste parce qu'il nous a permis de nous revoir. Hein, ma petite chérie? Maman? C'est vraiment toi? Commissaire, on a une urgence. Commissaire? Qu'est-ce qu'il y a, Belcourt? Je viens d'avoir Isabelle au téléphone. Son beau-père lui a donné de l'argent pour qu'elle parte. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Et il va où, comme ça? Il va régler ses problèmes avec son père. C'est une bonne chose. Il va régler ses problèmes avec son père. C'est une bonne chose. Oh, on va faire une bonne équipe, toutes les deux. Oh, je suis contente! Ben, si on s'était levé à cette heure-là pendant la guerre, aujourd'hui, vous parleriez tous allemand, mes petits chéris. Ben, si en plus tu te recouches... Faut vraiment que t'arrêtes de voir le soir, Annie. Bizarrement, je trouve qu'on devient plus résistante avec l'âge. Résistante. Tu l'as? Non. Non, c'est dans ta tête. Ça va passer. Ça va passer avec un demi-citron et un jaune d'œuf. Il y a que ça pour la gueule de bois. C'était un truc de ton père. C'est dans ta tête, ça va passer. Ils s'en prenaient de bonnes. Ça sert à rien, je suis dans ta tête. Oui, bah c'est ce que je dis, hein. Oh, enfin tu daignes me parler. Mais tu mettras un gilet, il va faire froid. Tu sais qu'il y a des noms sur ce truc qui n'ont rien à faire là. Tu veux que je te montre? Non, j'ai pas le temps, je suis en retard, là. C'est dingue, ça. On se revoit après 30 ans et c'est tout ce que ça te fait? Cache ta joie, ma petite fille. C'est un petit peu compliqué pour moi, là. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. Je suis là. Profites-en. On ne sait pas combien de temps on va avoir. T'as pas des choses à me demander? Non, mais si tu savais le nombre de fois où j'ai imaginé cette conversation dans ma tête, ce que je te dirais si tu revenais, et puis maintenant que t'es là, sans là. Je sais même pas si t'es vraiment là. Eh ben, y a rien qui me vient. T'es comme moi. Trop d'émotions d'un coup, ça te bloque. T'es une petite constipée des sentiments. Oui, bah faut que j'y aille. Hein. Je sauve peut-être pas la France, moi, mais c'est du travail. Oui, c'est vrai qu'on a plein d'affaires à résoudre. Oh, 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 ce que c'est excitant! Il faut que je parle à Max. Max, vous voulez dire l'inspecteur Beretta. Entrez. Bonjour mademoiselle, installez-vous, je vous en prie. Je savais pas quoi faire, je me suis dit qu'il valait mieux tout vous raconter. Bien sûr. Hier, je remettais tout en ordre dans le bureau, comme d'habitude. Et Frédéric est arrivé. Il était très énervé, il se disputait avec son père au sujet d'une histoire d'argent que Jean aurait donné à Isabelle. Vous avez cherché du côté de la victime? J'avais jamais vu... Vous avez bien étudié toutes les pistes. Alors je suis sortie pour les laisser régler leurs histoires. Et quand je suis revenue, Jean n'était plus là et Frédéric était dans son bureau, mais il avait une attitude très bizarre. Il rangeait les choses dans les tiroirs. Donc là-dedans, il y a le tueur. Ils ont tous des têtes de tueurs, là. C'est compliqué. Puis, hein. Pardon. Allez-y, je vous en prie. J'ai attendu qu'il parte. Je suis entrée dans son bureau et j'ai fouillé dans ses affaires. Je fais jamais ça d'habitude, Max, je vous jure. Non. J'ai ouvert le tiroir et là, j'ai découvert, il y avait une arme.
Je l'ai jamais vu avec une arme. J'ai peur qu'il ait fait une bêtise. Et ce matin, je suis revenue, il a fait sa valise, il m'a dit qu'il allait quelque part, qu'il fallait pas qu'il me dise où. Il est en train de fuir, en fait, là. On a pas une minute à perdre. Et la femme, ça t'appelle détective, c'est ça? Commissaire, faut y aller, là. Où ça? Delcourt! Merci. C'est pas nécessaire. Et bah alors on va où comme ça, hein? Il a trop joué aux cow-boys et aux indiens, le bouclé, hein? J'ai parlé à mon père hier soir, on s'est expliqué. Je pars chercher ma femme. Mais bien sûr, mais oui. Puis votre père vous a donné sa bénédiction pour mettre la clé sous la porte et le ruiner aussi, c'est ça? Ça vous regarde pas, ce sont des affaires de famille. De toute façon, il a compris que sans elle, je suis bon à rien. Et si je suis bon à rien, il y a plus de business. Voilà, alors ça suffit, Beretta, vous rangez ça maintenant. Hmm? Vous voyez bien qu'il n'y a rien à craindre. Ouvrez votre coffre. Allez. Je vous ai pas dit, mais moi aussi je suis un peu médium sur les bords. Là, par exemple, je vois... Ah ouais, je vois Perpète, hein, à contempler les barreaux de votre cellule. Être dur pour vous. Je sais que c'était devenu presque un ami, mais là, je crois qu'il n'y a plus de doute. Il y a quelque chose qui sonne pas juste dans cette histoire. Vous étiez sous l'emprise de sa personnalité perverse. Comme Isabelle, comme beaucoup d'autres. Rien ne dit que c'est lui le coupable. C'est pas parce qu'on a trouvé un corps dans son coffre que c'est lui qui l'a tué. On a très bien pu le placer là. Moi, je me souviens, pendant la guerre... Ah ! Je rentre au commissariat. Oh, le seul où lui a ravagé le cerveau. C'est inquiétant. Eh, Beretta. Mais bien sûr, c'est une question de flair. C'est notre métier, non? Bon. De toute façon, le gars, je le sentais pas depuis le début. Il a d'abord éliminé l'amant de sa femme, sauf qu'elle l'a quitté, donc genre, gros loser, quand même. Et après, il s'en est pris à la personne qui l'a aidé à s'enfuir. Qui ça? Son père. Hein? Alors, c'est facile de voir les morts si c'est toi qui les as tués juste avant. Bravo! Merci, prenez une bière. Hein. Bravo. C'est une belle affaire de bouclée, vous pouvez être fier. Merci. Vous avez été d'une très grande aide. Vous savez, j'ai vraiment apprécié le moment avec vous et je crois que... Enfin, j'aimerais qu'il y en ait d'autres. Vous pourriez peut-être me rejoindre à Boston pour les recherches. Si ça vous intéresse, bien sûr. C'est n'importe quoi. Tu le sais qu'il est innocent, Annie. En plus, tu fais voler la vedette par le cow-boy. Tu es mon sang. Tu es ma fille. Tu ne peux pas rester les bras croisés face à une injustice aussi grosse que l'ego de ton enquête. Ah de ça suffit! Ça va, commissaire? Hein? Allez me chercher Frédéric Light. Elle est où? Enlevez-lui les menottes. Dans tous les cas, il peut pas aller bien loin. Annie, il faut que tu... Non, plus d'Annie. C'est terminé. Vous m'avez manipulé, sans aucun scrupule. Vous avez même réussi à me faire croire que je pouvais parler à ma mère. Très fort. Vous, c'est la meilleure, celle-là. Je suis pas là, peut-être. Et très pervers, aussi. Tout ça pour arriver à vos fins. Éliminer tous ceux qui vous dérangent. Annie... Commissaire... Demandez à n'importe lequel de mes proches, j'ai jamais eu d'armes. J'ai toujours détesté ça. Je saurais même pas m'en servir si je voulais. Annie... Il faut absolument que tu écoutes ta petite voix, celle qui te dit de l'aider. C'est quand même beaucoup toi, ma petite voix, en ce moment, hein. J'ai peut-être une idée pour qu'on l'aide à... Pardon. Pour que tu l'aides à s'évader.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vous vous sentez pousser des ailes, inspecteur Beretta? Vous n'avez pas des groupies à aller saluer? J'ai pas à vous expliquer quoi que ce soit. Merci. Patron, excusez-moi, on a un vrai problème là. La commissaire Gréco, elle est vexée parce qu'elle a pas eu le nez sur l'affaire. Ça, ça peut se comprendre. Sauf que là, elle est en train d'interroger mon coupable et elle veut pas que j'y assiste. Non, mais en ce moment, elle déraille complètement. Demandez à Rose. Rose, y a un problème avec la commissaire, hein? Oui. Elle est fragilisée en ce moment. Mais il faut se mettre à sa place aussi. Ce genre de gourou sait y faire. Il a appuyé à des endroits sensibles que je ne peux pas vous révéler. Dites-moi, elle n'est plus elle-même. Mais justement, à ce sujet, je suis très inquiet et je voulais vous en Personne parler. Personne ne bouge! Posez tous vos armes ou je vous fais sauter la cervelle! Demande ces clés de bagnole au bouclé. Toi, file-moi les clés de ta voiture. Annie. Calme. Annie. Allez, on y va! Vite, vite! Bloquez les issues! Annie, arrête, t'es fort! On dirait que tu vas acheter le pain, là! Crie, dis quelque chose! Que t'as peur pour ta vie, je sais pas, moi! J'ai peur pour ma vie. Je peux te dire que moi, c'était autre chose. Tout le monde disait que j'aurais pu être une grande comédienne. Conduis. Fais pas le con! École pas! Si t'essaies de faire quoi que ce soit, je te bute! On peut relâcher la pression là. Hein? Tu crois qu'on a bien fait? Il est où? Hein? Je comprends pas comment il a pris votre arme. Oula, Annie, ça a pas l'air d'aller. Je te sers quoi? Rien, ça ira, Bob. Je te remercie. Je vais me coucher tôt, histoire que cette journée se termine au plus vite. T'as voilà, toi. C'est toi qui arrives pas à me voir par moment. Allez, je vous mets deux tisanes façon Bob, ça va vous remonter. Vous la voyez aussi? De voir qui? Eh ben ma mère, enfin le fantôme de ma mère. Ouais, t'es fatiguée, toi, ça tape sur le système, tout ça. Mais non, une tisane pour toi et une autre pour Frédéric Light, qui t'attend dans ta chambre, coquine. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Lorraine est venue raconter que j'avais une arme? J'en ai jamais eu. Je comprends pas, c'est bizarre. Pourquoi elle aurait voulu se débarrasser de ton père et te faire porter le chapeau? Cette fille n'est pas nette, je le dis depuis le début. Alors bougez-vous et faites-la arrêter. Oui, enfin, sans mobile, c'est un petit peu compliqué, hein? Tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît, Annie. Peut-être qu'elle travaille pour quelqu'un. Enfin, qui s'acharnera à ce point? T'as des ennemis? Excuse-moi de te demander ça, mais... est-ce que ça pourrait être Isabelle? Elle me ferait pas ça. D'accord, elle déteste mon père, mais moi, elle m'aime. Je sais, oui, bien sûr, mais... en même temps, il s'est passé pas mal de choses entre vous. Ah, la passion. Il y avait un couple dans notre réseau. Le mari était fou amoureux de moi. Mais moi, j'étais gênée parce que... il y avait que la France qui comptait. Moi, j'étais une amoureuse de la liberté avant tout. Je servais une cause si grande, si noble... Ça t'est déjà arrivé d'arrêter de parler de toi pendant une minute, juste pour voir, hein? Bah alors, Annie... Non, mais attends... je te jure, à l'écouter, on dirait que c'est elle qui a dicté l'appel du 18 juin au général de Gaulle. Mais c'est pas l'humilité qui l'étouffe. Oh bah ça non. Ça va, je vous dérange pas? Je suis peut-être porte, mais je suis pas sourde. Non mais je t'assure, je suis ravie de la revoir, mais l'avoir tout le temps sur le dos comme ça, c'est l'enfer. J'essaie de t'aider! Hein, et t'en fais qu'à ta tête, ingrate! Tu verras, hein. Un jour, je ne serai plus là et tu me regretteras. Alors, excuse-moi maman, mais depuis le temps, je me suis un tout petit peu habituée à ton absence. Hein. Vous allez pouvoir partir définitivement, Thérèse. Je crois qu'Annie est assez grande maintenant.
Quoi? Je peux pas partir. Ah. Je savais pas. Désolé. En général, quand les morts restent dans le coin, c'est parce qu'ils ont quelque chose à régler ici. Et apparemment, t'es... Commissaire, je suis venu voir si vous vous étiez bien mise. On le bute? Oh, j'ai toujours rêvé de tuer un flic. Non, mais ça va pas, non. Je me suis jamais sentie aussi vivante depuis que je suis morte. Et ben alors, vous en avez mis du temps? Oui. Alors, ça va mieux? Non, parce que Rose dit qu'il peut y avoir des, je sais pas, des stress post-traumatiques. Tout va bien, Beretta. J'en ai vu d'autres. Par contre, je vais me coucher tôt, donc... Bon, bah, si tout va bien, alors. Qu'est-ce que vous traficotez, hein, Beretta? Bah, rien, pourquoi? Je le connais, votre petit air. Crachez-la, votre Valda. J'y crois pas, cette prise d'otage. Vous êtes une pro, patronne. Personne peut vous duper aussi facilement. C'est pas bientôt fini, là? Allez, fichez-moi le camp. Ça vous apprendra à douter de moi. Ça va m'apprendre quoi, déjà? Hein? Félicitations, Beretta. Votre intuition a payé. Et vous, il va sans dire que vous êtes mis à pied. Ça tombe bien, vous avez besoin de repos. Non, mais même Bloom dit que vous devenez dingo, c'est vraiment le monde à l'envers. Encore bravo, inspecteur. Commissaire, je suis désolé, mais... Je pouvais pas faire autrement, là. Je sais, Beretta, vous avez fait votre boulot. Après, Rose dit que vous pourrez peut-être plaider la manipulation mentale. Je sais que vous me prenez tous pour une folle. Mais si vous avez encore un tant soit peu de respect pour moi, allez fouiller du côté de Lorraine. Je suis sûr qu'elle cache quelque chose. Bob, je peux avoir une tisane bien... Hmm? Ouais, bien sûr. Ben voilà. Ta fille est pas à la hauteur. Tu m'as parlé, ma petite Annie? Je parle à ma mère. Ah oui. Amdoulila. Faut vraiment arrêter de croire qu'on vit là-haut. Tu sais, tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Ouais. C'est facile à dire quand on a caché des gamins pendant la guerre. Moi, je suis même pas fichu de cacher un adulte correctement. Faut que je te dise quelque chose. J'en ai peut-être un peu rajouté sur ce que j'ai fait pendant la guerre. C'est ma copine Martha qui a remplacé le chauffeur malade. Moi, j'avais même pas le permis. Je crois qu'au fond... ça m'arrangeait. J'avais peur de faire plus. Mais t'étais résistante. Je repassais les robes de faux communion pour les enfants. C'était pas grand-chose. J'ai rien d'une héroïne, tu sais, ma fille. Mais t'as été fusillée par les Allemands? Même pas. Je me suis fait renverser par une voiture en traversant la rue. C'est nul, hein? Voilà. Bon ben, je vais pouvoir partir maintenant. Tu vas bien t'en sortir. Je suis fière de toi, ma fille. T'es une super commissaire. Et puis maintenant que tu sais que ta petite voix intérieure, c'est moi. Bah écoute-la plus souvent. Par exemple, elle te dit quoi, ta petite voix, pour Frédéric? Que c'est pas lui. Bah alors bats-toi pour le prouver. Bon, moi, j'ai fouillé du côté de l'assistante du médium, là, comme l'avait suggéré Gréco, mais j'ai rien trouvé. C'est juste une pauvre gamine qui a été abandonnée par ses parents. Elle a passé toute son enfance au foyer des Lilas. Au foyer des Lilas?
Ouais, c'est un foyer de l'assistance publique. Mais c'est là où Hans a passé son enfance. Attendez, il est orphelin, lui aussi? C'est un foyer très bien. C'est là qu'on plaçait les gamins dont les parents avaient des problèmes à l'époque. D'ailleurs, ça me revient. La bonne des Brunet. C'est là qu'elle a mis son gamin quand elle s'est retrouvée sans argent, la pauvre femme. Bah, allez-y, continuez. Ah. On aime bien mes histoires, finalement, hein? Alors, ce salopard de Brunet voulait absolument faire accuser sa domestique de vol pour pouvoir la virer. Elle était enceinte, en plus, la pauvre femme, et je suis persuadé que c'était de lui. Je voyais bien qu'il mentait. Et je voulais me battre pour elle. Mais j'étais seul. Mes collègues de l'époque s'en fichaient pas mal de faire innocenter cette femme, parce que, pour tout vous dire, elle était d'origine africaine. Et le racisme, à l'époque, je vous fais pas un dessin. Mais attendez, ça veut dire que Hans... Vous savez où il est, là? Il part à Boston aujourd'hui. Ok, file à l'aéroport avec des renforts. Moi, je vais trouver Lorraine, je crois qu'elle est complice. Vous pouvez disposer. J'ai quelques détails à vérifier avec l'accusé, c'est vu avec le DOF. Frédéric, je sais que c'est pas toi. Mais il faut que tu m'aides à leur prouver. Tu vas tout me raconter depuis le début. On a sûrement loupé quelque chose. Eh oh, Frédéric, on n'a pas beaucoup de temps, là. Ton fils. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas de fils. Il est en danger. En grand danger. Enfin, Gréco, qu'est-ce que vous fichez là? Rien du tout, monsieur le divisionnaire. Bonne journée. Lorraine? 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 Alors, inspecteur, on cherche Lorraine? Kéréline, c'est terminé, on a tout compris. Compris quoi? Ce que j'ai enduré? Hein? Compris quoi? Comment Jean a détruit ma mère en lui faisant un enfant qu'il n'a pas assumé? Compris comment il a fait de faussement accusé de vol? Pas très compliqué pour une femme noire il y a 30 ans. Il a jeté à la rue avec un bébé. Un sale bâtard, moi. Hey. Elle a fini par se suicider et moi j'ai atterri dans un foyer. Ouais, au Lila. Exactement. C'est là-bas que j'ai rencontré Lorraine. Elle est devenue ma seule famille. Je me suis battu, j'ai fait mes études. J'ai encaissé les années de racisme, d'humiliation. J'ai serré les dents. Et j'ai cru que j'avais réussi à faire une croix sur mon passé. Ouais, mais c'est insupportable pour vous, hein, d'être le fils sacrifié. Alors que votre frère, il enchaînait les succès, lui. Demi-frère. Quand j'ai appris qu'il cherchait une assistante, j'ai sauté sur l'occasion pour me venger. Pour rendre justice à ma mère. Et avec elle dans la place, vous aviez plus qu'à attendre le bon moment pour passer à l'action, c'est ça? Qui n'a pas tardé à arriver. Quand j'ai appris que la femme de ce Frédéric couchait avec le détective et qu'il était furieux, j'ai compris que je tenais le mobile parfait. C'est elle! Ouais, mais votre plan a foiré. Personne n'est inculpé. Heureusement, le conflit entre Jean et son fils m'a offert un nouveau mobile. Le fils qui veut tuer son père, digne des meilleures tragédies grecques. Et en plus, j'étais aux premières loges. Lorraine! Mais qui êtes-vous? Ça m'a permis de voir dans ses yeux qu'il ne se souvenait même pas de moi. Je n'ai eu qu'à placer le corps dans le coffre de la voiture. Ouais, c'est encore Lorraine qui vous a prévenu que Frédéric était sur le point de partir, c'est ça? Oui. J'ai été obligé de tenter le tout pour le tout. J'ai envoyé Lorraine au commissariat pour vous faire venir jusqu'ici. Et Rose? C'était du hasard ou vous avez eu de la chance? Sachez que je ne compte jamais sur la chance. Même si je n'avais pas prévu certains sentiments. Ouais, on peut pas toujours tout prévoir, Hans. Et d'ailleurs, c'est terminé. On était plus forts que vous. Je n'ai pas peur de la prison. Venger ma mère est bien plus important. Mais vous m'avez impressionné, inspecteur. Votre intuition est forte. Vous avez raison, je n'avais pas prévu que votre commissaire l'aide à s'échapper.
Mon plan a bien failli tomber à l'eau une fois de plus. Il suffit de se remettre à sa voie. Vous savez, celle qui vous dit que vous faites la bonne chose, que vous rétablissez l'ordre, que vous rendez justice. Il faut toujours écouter ma voix. Rien que ma voix. 3, 2, 1. Le feu s'est éteint, Max. Vous allez avoir froid. Il faut le rallumer. Et maintenant, vous dormez. Comment vous avez su? Parce que vous êtes un peu comme un fils pour moi, Beretta. Je ressens tout ce que vous ressentez. Bah dis donc. La petite mise à pied qui vous a rendu fleur bleue, comme ça? Je vous rappelle à qui je la dois, ma mise à pied. Eh, hey, quand vous déconnez, je suis bien obligé d'intervenir, non? Bon allez, plus tard. S'il vous plaît. C'est déjà ça ?